Salut, je m'appelle Pat. Voici les ragoûts de Pat. Aujourd'hui, mes chers amis, pour mieux vous situer à un printemps, été, automne, hiver. Je veux faire la matinée. Quand va fondre la rivière Quinchier? Oh ouais, on tient quelque chose là. Ah, oh, que mes sept chars, les mecs. Scoopy, tu as décidé toi un jour de te prendre en main et de devenir une mascotte célèbre, n'est-ce pas? Scoopy est une fouine qui n'a pas d'âge. Mais Scoopy est d'abord et avant tout une mascotte. Comme ses amis les humains, Scoopy se réveille tous les matins au son d'un cadran strident, se gratte les yeux, s'y tire un brin. Puis passe à la salle de bain. Chaque matin, il se refait une beauté. Il boit de l'eau. Il boit de l'eau. Voilà. La recrache. Et se lave les aisselles. Coquin va. Contrairement à de nombreux pères, Scoopy ne sent pas le Cambodge. Il est propre et aime bien blaguer. Son passe-temps préféré? S'endormir en lisant le livre « Tant pis si j'en crève » du défunt Gérard Vermette. À l'occasion, Scoopy descend des escaliers, boit du lait et aime bien se faire du bon manger. Sans emploi, Scoopy passe le temps comme il peut. Il joue aux cartes. Scoopy aime beaucoup Scooby-Doo. Un jour, en lisant le journal, « Eureka! On cherche une mascotte aux hebdos du suroir. » Fou comme un marabout, Scoopy gambade jusqu'à sa voiture, sûr de lui. Mais en tentant de monter à bord, sa tête ne passe pas dans la porte. Mais Scoopy ne se décourage pas et part à pied vers sa destinée. Un peu de pouce? Non. En marchant, Scoopy aimerait bien chanter, mais il ne chante pas. Il ne parle pas. Il n'a pas de voix. Au bureau des hebdos, Scoopy entre par la grande porte. Bonjour, Scoopy. Et va s'asseoir. On l'invita bientôt à passer dans le bureau de la directrice. En entrant dans son bureau, Scoopy dut se pencher. Oui. La directrice, fort heureuse de faire la connaissance d'une mascotte, l'invita tout de suite à signer des papiers. La directrice émit quelques directives. Tu devras être gentil avec les enfants. Propre, tu resteras. Et elle lui remit son nouvel uniforme. Scoopy était heureux. Et son nouveau sac de camelot. Ils se serrèrent la main. Scoopy salua le caméraman et partit à l'aventure, heureux comme une fouine. Nous allons aller à un tournoi de golf. J'imagine qu'on suit la balle. Playing a swing in golf. Ici, on a une pédale, là. Ici, on a une autre.